combat méridional du pays, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, qui propose la politique du gouvernement axée sur les pratiques néfastes contre la petite fille. Elle a eu rencontre à Doba et à Mundu. Un phénomène récurrent qui prend de l'ampleur dans la ville de N'Djamena, les animaux domestiques sur les grandes artères de la capitale. Ils divaguent partout, parfois ils sont la cause des cas d'accidents dans la ville. Développement dans ce journal. Et puis en sport, le club tout puissant Elegue Sport de N'Djamena a une nouvelle équipe dirigeante pour un mandat de 4 ans. Un nouveau bureau composé de 9 membres dont 5 conseillers. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Partie d'une maladie mystérieuse ou encore du paludisme, aujourd'hui une réalité avec plus de 13 000 cas à Béchi dans la province du Wadaï. Une maladie infectieuse tropicale provoquée par un virus transmis à l'homme par des moustiques du genre Aedes, originaire d'Afrique de l'Est. Il s'agit des chikungunya. À ce sujet, l'invité du journal reçoit le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Djidi Lissougoudi. Bonsoir. Bonsoir, Madame Achita Bakar. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les téléspectateurs. Avec vous, il sera question de parler sur la pandémie de chikungunya qui sévit actuellement dans la province du Wadaï. Mais bien avant, nous allons découvrir ensemble l'actualité de ce soir. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ahmad Mohamed Bagé, s'est rendu à Sarre dans la province du Moin-Chari. Le déplacement du patron du secteur de l'élevage s'inscrit dans le cadre du suivi d'avancement du projet Pastor Sud et d'apporter un appui au consortium RAPS. On fait le point avec Dieudonné Couton. Cette mission de travail conduite par le ministre de l'Élevage et de la Production Animale, Ahmad Bachir, a vu la présence du gouverneur de la province du Moin-Chari, Djiber Younous, et a pour objectif d'échanger avec le personnel en charge de l'élevage dans les provinces du Moin-Chari et du Mandoul en ce qui concerne les maux qui minent ce secteur, mais aussi et surtout d'apporter quelques pistes de solutions concernant l'avancement des travaux du projet dynamisation des initiatives locales innovantes pour une interaction pacifique et durable entre éleveurs et agriculteurs, en abrégé Pastor Sud, suspendu depuis le 23 mars 2020, faute d'implication des autorités administratives dans le dit projet. Ayant décortiqué avec prouesse les blocus du projet Pastor Sud dans la province du Moin-Chari, le chef du département ministériel de l'élevage, Hamad Bachir, souligne que pour surmonter tous ces obstacles, il faudrait l'implication de tout un chacun et travailler avec une synergie d'action afin de faire avancer les travaux du projet Pastor Sud dans la province du Moin-Chari. Le gouvernement de la République et les partenaires au développement ont toujours cherché à créer les conditions de cohabitation entre ces deux personnages. Mais malheureusement, de l'autre côté, ceux qui sont chargés d'appliquer ou de mettre en œuvre ces différentes politiques de cohabitation pacifique, eux-mêmes par moment, ils se mettent en dehors du sujet. Et c'est une question très grave. Après cette réunion, le ministre Ahmad Bachir a tenu une seconde rencontre avec les organisations professionnelles de l'élevage de la province du Moin-Chari sur certains maux qui minent le bon fonctionnement de leur organisation. Ahmad Bachir leur a demandé de cultiver la paix avec leurs frères agriculteurs, car pour lui, seul l'amour du prochain peut faire régner la paix partout dans le Tchad. De retour du Moin-Chari, la ministre Amina Priscilla Longo a fait une escale technique à Douba dans la province du Logon oriental avant de poursuivre sa mission à Mundu dans la province du Logon occidental. L'objectif est de sensibiliser et appuyer les organisations féminines contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. On fait le point avec Apolline Gani. La mission de sensibilisation et d'appui aux organisations féminines qui luttent contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants, conduite par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscilla Longo, dans le sud du pays, se poursuit.
Au retour de Mandoul, Amine Priscille Longo a fait une escale à Doba, chef-lieu de la province du Logon occidental, avant de continuer son périple sur Mundu pour pouvoir rencontrer les organisations féminines, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées. Le gouverneur de la province du Logon occidental, Ahmad Tahar Mohamed Abdoulaye, a relevé que l'encadrement de la petite enfance, les cruciaux conflits des familles, la difficile éducation des plus petits enfants futurs cadres de demain, la recherche permanente des conditions décentes de vie des personnes en difficulté, les personnes vulnérables, les personnes sinistrées, des catastrophes naturelles et autres méfaits de tout genre doivent susciter l'attention du département en charge de la femme. La secrétaire exécutive du réseau des femmes africaine, ministre et parlementaire du Tchad, Marie Koumandial, a mis l'accent sur la responsabilité citoyenne de la femme et son engagement politique. Elle demande aux femmes de s'approprier la parité dans les élections en s'engageant dans la politique. Nous voudrions ensemble, à travers ce projet, au moment venu, faire le coaching des femmes au sein des partis politiques, discuter avec les responsables des différents partis politiques pour que la place qu'il faut qu'on mette la femme. Les femmes leaders des organisations féminines de la province du Logone occidental, à travers leur porte-parole, Djumé Catherine, ont posé une curielle de revendications pouvant leur permettre d'accentuer la dynamique de la femme rurale. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a salué la combativité économique des femmes de la province du Logone occidental avant de leur demander de s'impliquer dans l'éducation des filles. La question de la femme a toujours été au cœur de la politique du maréchal. C'est aussi à travers cette volonté qu'est venue la loi de la parité. C'est pourquoi nous estimons que c'est notre responsabilité d'encourager les femmes à se présenter aux prochaines échéances. L'audience s'est poursuivie avec la rencontre des jeunes et des personnes âgées ainsi que des handicapés qui ont remis toutes leurs doléances. La rencontre s'est achevée avec la remise des kits alimentaires au profit des couches vulnérables. Retour ici avec notre invité, M. Djidi Ali. Nous allons parler santé. Donc, on va revenir. Vous allez prendre la brousse pour nous expliquer un peu la pandémie de chikungunya. Qu'est-ce qui était à l'origine de l'apparition de cette maladie à Biché dans le Wadaï et pourquoi elle refait surface après 40 ans? Je voudrais bien vous dire que ce n'est pas seulement à Biché. Nous avons appris au début de la... à la fin de cette semaine, que la maladie a également atteint Wadi Fira. Donc, le chikungunya est une maladie virale due à un virus qui est transmis par un genre de moustique qu'on appelle le fameux moustique Aedes, qu'on appelle également Estegomia. Et c'est ce moustique-là qui transmet la maladie appelée le chikungunya. Donc, ce virus-là a un réservoir qui peut être des animaux sauvages, qui peut être des oiseaux migrateurs. Parmi les animaux sauvages, on peut citer les singes, notamment les macaques. On peut également citer les petits mammifères qui peuvent héberger cette pathologie et qui peut surgir. Il y a trois choses. D'abord, le virus qui infecte une personne infectée ou un animal infecté, de qui le moustique va prélever du sang infecté. Et le virus se duplique dans les tubes digestifs de ces moustiques qui les transmet au cours d'un prochain repas. En piquant une personne, il doit d'abord envoyer sa salive pour anesthésier et rendre anticoaguler le sang. C'est en ce moment. Alors, vous me demandez pourquoi la maladie apparaît pour 140 ans. Nous avons fait une autopsie verbale pour dire que la maladie a apparu entre 1976 et 1977 dans la même région du Wadaï. Excusez-moi, qu'entendez-vous par autopsie verbale? L'autopsie verbale, c'est-à-dire que les gens nous ont raconté. Il n'y a jamais eu une étude qui a prouvé que la maladie a prévalu à Biché ou à Wadaï, mais les gens rapportent les mêmes symptômes, la même maladie, telle que décrite actuellement à Biché. Et nous avons pu prouver que c'est le chikungunya en envoyant des prélèvements au niveau des laboratoires mobiles du ministère de la Santé, puis confirmé à Yaoundé par les mêmes échantillons, les a envoyés à Yaoundé pour le confirmer. Et c'est ainsi que la maladie a été confirmée comme étant le virus de chikungunya. Et ce moustique-là, qui est la femelle, qui est la seule femelle qui pique, et qui transmet d'autres maladies également, la dengue, la fièvre jaune, les Zika, mais également cette maladie qui secoue actuellement la région de Wadi Fira et également la région de Wadaï. Monsieur, donc on a dit docteur parce qu'on revient là ici. Y a-t-il une différence entre
paludisme chikungunya, parce qu'on sait le paludisme est comment dire, la moustique qui pique, qui transmet, c'est la nouvelle femelle. Ici c'est une autre moustique, on dit Aedes. Donc quelle est cette différence et pourquoi cette maladie se transmet, parce qu'on sait qu'elle se transmet par les piqûres des moustiques. D'abord, le moustique qui pique et donne le chikungunya, c'est le moustique tigre que vous avez les images tout à l'heure derrière moi. C'est un moustique tigré qui a des taches blanchâtres sur les pattes et sur l'abdomen, qui est du genre Aedes, qui est très différente, et c'est sur le plan des espèces que l'anophèle qui transmet le paludisme. Et cette question est aussi importante parce que les deux pathologies se ressemblent à forme et prendre. Vous avez les arthralgies, vous avez la fièvre, vous avez les céphalées, vous avez parfois aussi des PTH ou des purpura qui sont les principaux signes. Par contre, les douleurs de chikungunya commencent par les extrémités au niveau des doigts, au niveau des poignets, au niveau des coudes, et qui sont plus intenses que les fameuses arthralgies que vous connaissez quand vous avez un palud. Vous avez quelques douleurs sourdes, mais pas des douleurs aussi intenses. Et le diagnostic est très souvent, et une fois que l'épidémie est installée, est très souvent clinique. Ça veut dire qu'avec les symptômes qu'on a, on peut décrire. Par contre, nous avons un test spécifique qui permet de diagnostiquer le chikungunya, qui est la RT-PCR. C'est-à-dire qu'on cherche les génomes du virus dans les prélèvements, et c'est comme ça que nous avons confirmé. Alors, s'il y a des signes, il y a un test discriminant qui s'appelle le test diagnostic rapide, ou bien la goutte épaisse et frottis, qui vont vous prouver que c'est le palud. Si c'est le palud, vous traitez le palud. Si ce n'est pas le palud et que vous avez ces symptômes-là, c'est le chikungunya actuellement en épidémie. Et aussi, si vous avez jugé que ce n'est pas le paludisme et c'est le chikungunya, vous devez aussi faire un traitement qui est différent des traitements du paludisme. C'est vrai, dans le paludisme, on donne des antipaludiques qui sont des antiparasitaires, mais dans le chikungunya, il n'y a pas un traitement spécifique. On calme seulement les douleurs, les symptômes, pour que la personne guérisse de lui-même, d'elle-même plutôt. Donc, chikungunya, c'est une pandémie. Et comme c'est une pandémie, quels sont les dispositifs? Non, la chikungunya n'est pas une pandémie. La chikungunya est une épidémie. Épidémie, ok. Oui, localisée dans une région. Une pandémie, ça attaque toutes les régions. Oui. Par contre, c'est vrai, vous avez raison. Oui. La chikungunya a été dépistée pour la première fois en 1952, puis en 1953, dans la région de Tanganyika, qui est l'actuelle Tanzanie, dans la région de Makonde. Et c'est dans la langue courante africaine Makonde qu'on a donné le mot de chikungunya. Ça veut dire que la maladie qui fait recourcevier, ou c'est la maladie qui fait courber. Oui. Et à Béché, c'est il y a en 1976-77. Mais ils disent qu'il y a 100 ans également, il y a eu la maladie. Mm-hmm. Ça, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'autopsie verbale. Ça veut dire qu'on est allé en arrière. Alors, quels sont les dispositifs pris pour circonscrire cette maladie, éviter surtout sa propagation maintenant ou le Wadifira? Alors, qui connaît le paludisme doit comprendre, faire un parallélisme. Ça ressemble beaucoup au paludisme. C'est dû à un moustique, et c'est la femelle Aedes qui pique, le mâle ne pique pas, je vous l'ai dit. Il faut lutter contre la piqûre. Il faut lutter également contre les gîtes larvaires, contre les moustiques. Il faut également lutter contre l'environnement insalubre dans lequel le moustique se reproduit. Il y a également d'autres mesures qui ont été prises avec les moustiquaires imprégnés qui protègent. Nous devons couvrir les bras, les mains, porter des habits clairs et des habits qui protègent, etc. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont instaurées et nous allons revenir peut-être sur le plan de contingence que nous allons évoquer vers la fin. Parlant de plan de contingence, en quelques lignes, quels sont les grands axes de ce document? Alors, quand il y a une épidémie, il faut d'abord coordonner toutes les activités de lutte contre cette épidémie. Il faut également planifier une étude épidémiologique et entomologique. Entomologique, ça veut dire chercher à comprendre quel insecte est en train de transmettre, et en l'occurrence ici, c'est l'Aedes. Connaître également cette espèce et également connaître l'ampleur de la situation. Après, il faut mettre un plan de prise en charge des patients, mais également un plan de communication pour informer la population et pour sensibiliser, pour que la population elle-même se protège. Parce que la lutte doit être d'abord individuelle, mais également elle est collective. Et il faut mettre toutes ces mesures-là en place. Également prendre en charge les cas. Parlons de la prise en charge, dites-nous, s'il y a eu des cas, comment se fait cette prise en charge? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 13 000. Plutôt, au jour d'aujourd'hui, ce matin, nous avons 15 585 cas de chikungunya. La majorité sont à Béché et également à Bultine, il y a quelques cas. Alors, pour prendre ces cas en charge, nous avons tous les médicaments qui sont gratuits et disponibles. Ce sont des médicaments qui permettent de soulager les douleurs dont on avait évoqué. Si la personne est fébrile, il faut baisser la fièvre. Si la personne a des douleurs, il faut calmer les douleurs. Il y a un traitement qui est gratuit. Par contre,
Il y a également les mesures qui accompagnent pour qu'il n'y ait pas de nombreux cas et pour qu'il y ait une propagation dans les autres villes. Il y a également ces mesures-là qui sont prises. Quel est votre message aux populations de se joindre aux actions communes de lutte? Nous avons été à Béché pour une mission pour bien sensibiliser toutes les autorités militaires, administratives, les autorités traditionnelles et même des sociétés civiles, etc. La population d'Abéché et la population de Biltine, qui me suivent très probablement en direct, doivent adopter les mêmes comportements de lutte contre les piqûres de moustiques. Ça, c'est d'une part. D'autre part, également, ils doivent lutter contre leur environnement insalubre. Et nous avons vu que 70% des moustiques qui donnent les chikungunya ont été retrouvés dans le pot de fleurs. Et Abéché est une ville de fleurs. Les gens cultivent beaucoup de fleurs pour ornemental, 70%. Alors. Et le reste de 30% ont été retrouvés dans les jarres, dans les fûts, dans les nappes stagnantes. Donc, c'est le caractéristique de ces moustiques, c'est de pondre les œufs dans une vase humide qui contient de l'eau, ou bien dans un sol argilé, mais il faut qu'il soit ombragé. Donc, merci, c'est docteur. Ça les spécificités un peu de chikungunya à travers son Aedes qui nous inocule la maladie. Merci pour ces explications. Nous avons reçu, je le rappelle, le secrétaire d'État à la Santé et à la Solidarité Nationale, Didi Ali Sougoudi. Il était question de parler sur la maladie de chikungunya. Et nous poursuivons le journal. Le président de jury du baccalauréat de l'enseignement du second de session d'août 2020, le professeur Bienzimbé Tikri, a fait un point de presse ce matin relatif aux rumeurs qui circulent dans la ville de N'Djamena concernant le résultat de l'examen relayé par les réseaux sociaux. Bienzimbé Tikri et son staff appellent tous les candidats au calme et leur demandent de ne pas fier à ces rumeurs. Extrait. Nous avons commencé depuis ce matin avec la saisie des notes sur les ordinateurs et cette phase, en tant que nous prendra encore 2 jours. Et après cette phase, nous allons lancer la recherche des anomalies, ce qui veut dire contrôler. Est-ce que les notes saisies sur l'ordinateur, est-ce qu'il n'y a pas de différence par rapport aux notes saisies sur l'ordinateur? Et il faut réparer ces anomalies avant de pouvoir lancer le calcul des moyennes. Et après ce calcul, nous allons tirer la statistique des résultats du bac cette année. Et c'est après cela que nous pouvons vraiment songer à proclamer le résultat du bac 2020. Nous voudrions informer tous les candidats d'être calmes et sereins et d'attendre patiemment les résultats qui leur seront diffusés par les voies officielles. Donc nous les invitons de ne pas écouter les rumeurs qui circulent par-ci et là dans les réseaux sociaux, un peu partout, mais de garder leur calme et je pense que les résultats viendront au moment où nous aurons fini avec tout ce qui reste à faire. La direction générale de services de douane et droits indirects offre de services fiscaux, économiques et budgétaires pour la facilitation de la chaîne logistique et le contrôle de marchandises des opérateurs économiques. À ce titre, elle procède à la liquidation de la taxe à la valeur ajoutée et perçoit d'autres taxes indirectes. L'administration des douanes et droits indirects est l'une des structures des pouvoirs publics ayant un caractère paramilitaire. Ali Prem Suleiman. L'une des principales régies pourvoyeuses des recettes publiques, la douane nationale est un organe régulateur par excellence de l'économie nationale. La Direction générale des services de douanes et des droits indirects joue un rôle essentiel, gérant le flux physique des marchandises, des personnes et des moyens de transport franchissant les frontières. La douane nationale du Tchad est régie par des textes organiques adoptés dans le cadre de la modernisation de ses services. La valeur, l'origine et le poids de toutes les marchandises importées sont automatiquement déclarées à la douane nationale du Tchad. L'action du service des douanes porte notamment sur l'assiette, le contrôle et la perception des droits des douanes et droits accessoires à l'importation des marchandises et des taxes aux produits importés. Pour le directeur général de Kerim Sherfadine Mohamed, les recettes douanières constituent la principale source d'alimentation du budget de l'État. Instrument d'une véritable indépendance, la douane nationale veille à l'application de la réglementation du commerce extérieur et des changes, en veillant en particulier au respect des textes en vigueur. Le contrôle du commerce extérieur se traduit par la mise en place d'une série de mesures
partant du principe de la liberté du commerce à l'importation, à l'exportation, jusqu'à la prohibition relative ou absolue avant embarquement des marchandises. À ce titre, elle dirige, coordonne, anime et contrôle l'activité du service douanier à l'exécution de la politique du gouvernement en matière fiscale et économique. L'avion, ce moyen de transport est considéré par la douane nationale du Tchad comme étant une marchandise. Toute importation de marchandises sur le territoire national tchadien non déclaré est considérée comme fraude. La brigade mobile intervient automatiquement dans ces cas afin de réprimer cet acte frauduleux. Vous le saviez, une délégation de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val du Tchad a visité le centre d'enfutage et quelques points de distribution de gaz butin pour constater la rumeur sur la raréfaction de gaz butin. Une de nos équipes a fait un tour avec cette délégation. Notre reporter Ahmad Garasta revient sur la visite effectuée par l'ARSAT, un reportage rendu par Youssouf Abdourmane Alikat. Contrairement aux allégations distillées ça et là, la ville de Djamena n'enregistre aucun cas de pénurie de gaz butane. Dans les différents centres d'enfuitage et de points de distribution, les faits sont là et se passent de tout commentaire. Au centre d'enfuitage de la société Gascom de Farcha, tout le monde est mobilisé comme d'ordinaire. Les citernes effectuent normalement les navettes entre la raffinerie et le dépôt. Les machines, elles, tournent normalement. Dans les magasins, il y a bel et bien une disponibilité de gaz et en quantité. Le même constat est observé au niveau des gaz From, situé à Lamadi et à la société Sidigui International à Mabruka. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes au centre et nos distributeurs viennent chercher des gaz et vont dans les différents quartiers de la ville de N'Djamena pour pouvoir desservir nos différents ménages. La raffinerie de Djamena fournit convenablement et chaque jour 7 citernes de gaz butane pour desservir l'ensemble du territoire national. Selon les statistiques de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val du Tchad, rien que pour la journée du 4 septembre, la raffinerie a livré 4 citernes de gaz et 2 autres supplémentaires provenant des importations aux sociétés. Depuis le démarrage de la raffinerie de Djarmaya, l'ARSAT, organe régulateur du marché pétrolier, a constitué un stock de 69 citernes, soit 1580 tonnes. Elle a prévu un important dispositif d'approvisionnement afin de prévenir tout cas de pénurie. Pour cette semaine, en Suisse, des approvisionnements journaliers de 7 citernes de la raffinerie, il a été distribué 24 citernes supplémentaires provenant de l'importation et des stocks. Avec cette saison pluvieuse, il est vrai que certaines voies de communication sont inaccessibles, rendant difficile la distribution de ces produits. C'est pourquoi un groupe de certains marketeurs et distributeurs verrés en profite pour se livrer à la surenchère et faire croire qu'il y a une pénurie de gaz butane. En réalité, il n'y a aucune pénurie, le gaz butane est bien disponible, le gouvernement, par le bien de l'ARSAT, continuera à assurer la régularité et la disponibilité de ces gaz sur les marchés. Vu cette information brève et image pour la suite du journal à Kigali au Rwanda, les militantes et militants du MPS ont organisé une rencontre de réjouissance suite à l'élévation du président de la République Zibitno à la dignité du maréchal du Tchad. Pour ces militants et militantes, cette reconnaissance des élus du peuple témoigne des efforts incommensurables du président Déby à faire régner la paix et la concorde nationale au Tchad et dans la sous-région. Ils se disent déterminés à accompagner le maréchal du Tchad, président fondateur du MPS, dans sa politique axée sur le vivre ensemble et le développement socio-économique du pays. Les membres du bureau Baminasa sont en tournée dans la partie méridionale du pays. Après la Tandjilé, c'est la province du Logone occidental qui a bénéficié de quelques pompes à motricité humaine. Mohamed Omar Moursal, rendu par Damke Jawelitni. Une forte mobilisation des autorités administratives, politiques et traditionnelles du Logone occidental, à leur tête le gouverneur Amata Mamat, pour réserver un accueil chaleureux aux membres du bureau Baminasa, conduite par Ibrahim Khalifa.
Le motif de ce déplacement est de remettre officiellement 5 pompes à motricité humaine à la population de Mundu et à celle des localités environnantes. Les bénéficiaires directs de ces dons sont, entre autres, le collège Adum d'Ala de Mundu, l'été numéro 24, la cathédrale Notre-Dame de Mundu et le village Bemia dans la sous-préfecture de Timou. Ce don hautement humanitaire remis par Bamina Assas est l'œuvre du président fondateur du MPS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui a inscrit la politique sociale parmi ses priorités. Pour les différents intervenants et le président du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, sa formation politique appuie fortement le gouvernement dans sa politique en matière d'accès à l'eau potable, une préoccupation soutenue par le porte-parole des Baministes. Bamina Assas a décidé depuis quelques mois de procéder à des gestes humanitaires en appuyant les populations par des forages d'eau et des dons de vivres. Ces actions viennent appuyer les efforts du gouvernement en matière d'assistance sociale. Le gouverneur du Logone occidental a magnifié ces gestes du président fondateur du MPS. Je suis d'avance assuré que ces dons en forage hydraulique viendront certes renforcer vos capacités d'accès à l'eau potable qui va sans nul doute contribuer à la lutte contre les maladies hydriques qui sont intimement liées à la problématique sanitaire de nos populations. Toujours dans le cadre de la politique sociale du parti, les Baministes ont offert des vivres et non-vivres à la population de la localité de Solo, bien entendu dans la province du Logone occidental. Le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance PDSA a organisé une cérémonie marquant le lancement de ses activités politiques placées sous le thème « Le PDSA face aux défis électoraux ». Une cérémonie au cours de laquelle les nouveaux membres du bureau exécutif ont été présentés. C'est le président Malou Yuboy de Jiraki qui a présidé la cérémonie. Abdelaziz Oumra Sabala. Placée sous le thème « Le PDSA face aux défis électoraux », cette cérémonie marque la rentrée politique du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance. C'est aussi l'occasion de présenter le nouveau membre du bureau exécutif du dit parti. Le secrétaire général du PDSA, Mahama Seyd Timane, a invité ses camarades militants à se mobiliser en vue d'affronter les futures consultations électorales. Pour sa part, le président national du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance, Malum Yoboide Jiraki, a rappelé aux nouveaux membres du bureau exécutif la responsabilité qui est la leur. Vous êtes investi d'une mission noble, c'est-à-dire celle qui consiste à porter haut le flambeau du PDSA pour lui permettre d'enregistrer encore des victoires plus éclatantes lors de consultations électorales à venir. Créé le 3 août 2009, le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance compte 2 députés à l'Assemblée nationale. La divagation des animaux dans la ville de N'Djamena prend de dimensions inquiétantes et surtout avec les cas d'accidents de circulation causés par ces animaux. Une équipe de Télé-Tchad a fait le tour de la ville pour constater des vues sur le phénomène. Suivez le reportage de Mamad Sida Bakar. Des caprins et ovins errent sur les artères de la ville de N'Djamena à longueur de journée. Ces chèvres, moutons et même des bœufs faufilent entre les automobiles et les motocyclettes, causant ainsi quelquefois des accidents de circulation. L'élevage en ville, le phénomène prend des proportions inquiétantes, surtout avec la divagation des animaux, malgré les mesures prises par les autorités communales. La dernière décision date de décembre 2019. Ce phénomène est décrié par la population qui invite la mairie de N'Djamena à prendre sa responsabilité. On voit beaucoup des moutons, des chèvres, voir les bœufs qui perturbent, qui créent des accidents, alors que les propriétaires devraient amener en dehors de N'Djamena. Les moutons passent par ici, là, je crois que c'est trop de risques, mais ça ne va pas. Il faut que les animaux, tous les animaux là, Chacun garde ses animaux à la maison et il se nourrit, il se donne tout. S'il promène dans la rue comme ça, là, ça nous donne beaucoup de saleté et ça nous crée aussi des maladies. Pourquoi le phénomène de divagation des animaux domestiques en ville prend-il des proportions? Qu'est-ce qui empêche les autorités compétentes de faire face à cette pratique qui ternit l'image de la cité capitale et qui cause des accidents de la route? Pourtant, les textes sont bien clairs. Nous avons tenté de recueillir des éléments de réponse à nos interrogations auprès de la mairie centrale,
mais notre demande est restée sans suite. Le club tout-puissant et Legue Espoir de N'Djamena a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire élective. C'est Mamadou Ourouzi qui a été élu par acclamation à la tête du bureau exécutif composé de 9 membres pour un mandat de 4 ans. Innocent Kleyo. C'est sous le signe d'un hommage rendu à leur feu président Douga Ahmad Fati, décédé il y a 2 mois, que les dirigeants, sympathisants, supporters, joueurs et sponsors du club Tout-Puissant et l'Export ont tenu leur assemblée générale élective. Et comme il s'agit d'une assemblée générale élective, c'est le président du comité d'organisation qui a brossé le bilan des 4 ans de gestion de l'équipe sortante. Durant le mandat de l'équipe sortante, l'Export, au titre du championnat de Ligue africaine, à ce titre, l'Export a fait une tournée dans le cadre de Ligue des champions africaines. Le Présidium a procédé ensuite à la lecture des textes, les statuts du club, avant de présenter l'unique liste à la candidature du nouveau bureau. C'est par acclamation que la liste de Mahamad Tahir Ourouzi a été approuvée. Mahamad Tahir Ourouzi devient alors le président du club tout-puissant L'Export pour un mandat de 4 ans. Son bureau est composé de 9 membres, dont 5 conseillers. Nous allons amener L'Export au plus haut niveau national et, Inch'Allah, au niveau international. Nous avons besoin de la contribution de tout un chacun, des joueurs, des supporters, des sympathisants et bien sûr des sponsors. Créé en 1964, le club tout-puissant et l'Export est réputé d'être l'un des meilleurs clubs du Tchad. Le club compte à son actif 7 titres de champion du Tchad et 2 coupes. Sur la scène internationale, tout-puissant et l'Export a réussi un parcours atypique en 2019 en arrivant à la 8e de finale du Champions League ainsi que pour la Coupe de la Confédération africaine. Et puis avant de clore cette édition, comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 6 septembre sur 374 échantillons analysés, 5 cas confirmés, 2 en N'Djamena, dont un test post-mortem, 2 au moyen chari contact de précédents cas et un post-mortem au Mayukibi S. 4 guéris portant le total à 918, 2 de ces totales de décès sont 19, 42 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. La signature du coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi. Et sur ce, c'est le fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée. À toutes et à tous, bonsoir et à demain, Inch'Allah.